Au départ, l'idée de Célestine, c'était de faire une série autour de la danse. Et moi, j'avais le souhait de le faire aussi, de lui donner une connotation historique, donc de travailler autour de l'opéra. Et l'opéra, à un moment où les élèves de l'école de danse étaient encore hébergés dans l'Opéra de Paris. Et donc, j'ai proposé à Karine, des éditions Albin Michel, d'imaginer la vie d'une petite fille en 1900 qui serait Petit Rat à l'Opéra de Paris. Alors, comment on travaille? C'est très simple. On n'a pas trop de rapports. Heureusement, on s'entend très bien, donc du coup, on discute beaucoup. Mais en fait, c'est simple. Elle écrit son manuscrit, elle envoie à l'éditeur. L'éditeur vérifie que tout correspond au niveau de ses choix, de l'historique, etc. Et après, moi, je reçois directement l'ouvrage avec donc les espaces destinés aux illustrations. Et donc, je colle au plus près du texte de Gwenaëlle. Sachant que voilà, maintenant qu'on se connaît bien et qu'on s'entend très bien, on peut en discuter, mais de base, c'est vrai qu'on n'a pas de collaboration vraiment proche pour pouvoir réaliser un ouvrage. D'abord, j'ai passé beaucoup de temps à l'Opéra de Paris. J'ai fait plusieurs visites et puis ensuite, tout ce qui est autour, c'est-à-dire le contexte historique du Paris de 1900, que c'est une année qui est très riche, qui est à la fois l'exposition universelle, les Jeux Olympiques, le premier métro, la naissance du métro. Donc ensuite, oui, ça c'était plutôt une partie documentaire à partir de livres. Et puis surtout, on a la chance d'avoir des photos et même quelques petits films de l'exposition universelle. Donc ça nourrissait aussi toute la documentation et l'imaginaire autour de Célestine. Pour faire les illustrations, c'est d'une part vraiment le travail de documentation de Gwenaëlle qui m'aide énormément parce qu'elle va vraiment chercher au plus près des réalités historiques. Donc ça va être de la documentation photo, des articles de presse, etc. Et en parallèle de ça, moi je me sers de ce qu'elle me propose, plus mes propres recherches pour préciser sur de l'objet, des espaces, etc. Donc voilà, c'est vraiment de part et d'autre un travail de collaboration et en parallèle. Moi je suis professeure des lettres, mais en revanche j'ai toujours eu une passion pour l'histoire et en particulier pour le 19e siècle. Ce qui explique que la plupart de mes romans historiques se déroulent soit sous le Premier Empire, sous le Second Empire. Et là, 1900, je crois que c'est ce que j'ai fait de plus contemporain. Alors moi, je danse pas du tout. Enfin, j'ai fait un petit peu de danse, mais j'étais nulle. En revanche, j'aime beaucoup les ballets. Donc je regarde beaucoup de ballets. J'aime beaucoup le lieu de l'Opéra de Paris, que je trouve magique. Et puis toutes les légendes autour et les superstitions. Et puis, par ailleurs, mes filles dansent. Donc voilà, j'ai assisté à tous les cours depuis 10 ans. Je pense que j'ai fait plus de 10 galas de fin d'année. Et donc, je suis quand même un peu immergée dans la danse sans la pratiquer moi-même. Alors oui, j'ai beaucoup de projets en ce moment. C'est une chance. Franchement, je mesure ça. J'ai pas mal d'ouvrages que je réalise à côté de Célestine. Je travaille, oui, également dans le jeu vidéo. Je réalise des décors de jeux vidéo. Et il m'arrive aussi également de faire du jeu de société. Voilà. Toujours pour l'illustration. Après, je garde une grande affection pour le game design, donc quand je peux mettre un peu la main à la pâte pour réaliser des projets, je le fais aussi. Parce qu'il y a toujours des projets en cours, et donc toujours des séries historiques, et plutôt pour les filles, parce que c'est un petit peu ma spécialité. Si j'étais un héros de la littérature jeunesse, même si ça reste quand même du roman, ça serait Jim Hawkins, parce que j'ai lu ça en étant ado, L'île au trésor. Et Jim Hawkins, c'est vraiment un petit garçon, enfin un ado, un jeune homme qui va mener une enquête avec des pirates sur une île, etc. Et j'avais vraiment envie de ça quand j'étais une jeune fille, de pouvoir faire vivre une grande aventure. Alors moi, j'ai une passion pour Les quatre filles du docteur March quand j'étais enfant, et même encore maintenant. Et avec en particulier un faible pour Jo March, Joséphine, qui est la deuxième et qui est peut-être la plus intrépide, ce que je ne suis pas, mais qui en revanche écrit beaucoup, qui invente des pièces de théâtre. Donc là, je m'identifiais plus à elle.